Je ne veux dire, mesdames et messieurs, ça paye d'Haïti à vivre comme insécurité sur un bagage qui baille bleu dans les yeux. Sur un bagage qui baille tout le monde qui est sauté et personne pas vu circuler dans le pays ça par rapport avec groupe gang chaque jour, cap tout qui coûte con, cap tout qui coûte zam, en pile massacre qui fait, mon ap mouri, journaliste a tombé, étudiant a tombé, personne pas épargné. Et bien, je dis à la règle, le conseil CSP, non, qui ou même fait frapper puis à terre là et prend gros mesures, gros décisions prend. Et donc, il y a un place pour comment il y a freiné. Eh bien, course insécurité, ça qui lui-même a mis tes yeux et population avec de l'eau chaque jour. C'est presque chaque jour, en quantité de monde mourir, bandit, à tirer coup de zame par-ci par-là, personne pas épargné dans le pays. Ça, nous allons vite entendre des interventions, déclarations. Docteur Claude Joseph, Premier ministre AI pays d'Haïti, ministre de Justice, là, Philippe Vincent, eh bien, qui au même pral parler là et au pral entendre des causes qui viennent dans la République, parce que Gomez a déjà fait le point pour marrer tout bandit qui a fait massacre. Nous avons eu massacre Delma 32A, qui quantité de monde qui mourit, mesdames et messieurs, journalistes tombés, compatriotes tombés, mes amis, bagayo décontrôlés dans le pays. Là. Donc, on va l'inviter à suivre avec nous en image, en audio, et comment ça a été discuté de plus dans le conseil CSPN. Pas oublier, pour ceux qui sont nouveaux sur le canal ou sur TV Lakay, son plaisir pour nous avec vous chaque fois, nous avons informé. Puis, déplacer, une couvrir, conférence de presse ce matin. Même gens, avec un pile de monde dans la population, même gens, avec un pile de secteur, qui n'a pas la violence, pour résoudre les problèmes politiques, le gouvernement intérimaire que je dirige, le président de la République, là, nous consterné par l'action. Nous consterné devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui va être sur nom Fantôme 509. Dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Pessoa. Groupe terroriste qui est le Tête Fantôme 509, tout y est plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 personnes. Dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et les familles victimes. Nous connaissons là-dedans, il y a une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Et un autre journaliste, un jeune garçon, qui est Diego Charles. Conférence de presse, ça triste en pile. Si je me permets, chaque monde qui est victime, on a mis à parler de yola. Chaque monde qui mourit, si vous avez un grand monde qui vient parler de vous dans la conférence, vous comprenez peut-être niveau, dimension, drame. Mais comme il y a une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même, comme Premier ministre, je parle de nous, de vous ou de la dernière que vous connaissez. Antoinette Duclerc, que tout le monde connaît sous nom Netty. C'était Zamine. C'était plus que Zamine. C'était une sœur. Il n'a pas jamais hésité un moment. Pour le monde, il a même secteur politique avec eux. Pour dire Claude Joseph, c'est Zamine. Le monde qui est ministre des Affaires étrangères, c'est Zamine. Mon premier ministre a dit à ses amis. Youn respecte l'autre. Youn respecte l'engagement l'autre. Parfois, youn farouche l'autre. Sous position politique.
yon discuté avec l'autre, mais nous tous toujours été anti. Neti, c'était une personnalité transversale. Neti, c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre, qui croit dans ça la gourmet contre lui. Nous pas toujours partager même l'idée, mais Neti était entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est le premier ministre. Diego Charles, grâce à Neti Duclair, on a gagné au niveau d'amitié. Pas gagné plus de une semaine, on était ensemble, la caille moins, dans la résidence privée. On ne peut pas voir. Ça t'a vu. Chaque monde qui vient avec Neti connaît son ami authentique. C'est un gros ami. Il t'a dit en pile que Neti t'a mouru comme ça et crime ça. Les théories sur comment là, t'as été impuni. Tout le monde qui mourit dans la nuit 29, pour arriver 30 juin, moi ben nous garantis que le crime ça a abrité un peu. Moi voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, qui ne va mener nous aucun côté. Nous touillons, nous boulons, nous pillons, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait que c'est avec violence et qui a imposé volonté. Nous touillons en Péréa. Nous sautons parler à président. Nous tous les docteurs. Nous tous les pères. Nous tous les pasteurs. Simples citoyens. Juste pour agenda politique et secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodi. Par un parlement, nous avons un gouvernement haï. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque jouer une solution.
yo tiré sénateur OBL là qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAILI. Dans le jour qui était 1er mars 1999. OBL, pour retirer quoi dans la négociation, il va dire pas négocier sous 100 sénateurs de Touyer. Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a été mort, qui est-ce qui a été tué pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'Union nationale. 3 avril 2000, pendant que le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Fosfè Noyo, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pas, pendant un rapport où il a sorti, pendant la possibilité pour un accord politique pointé devant nous, donc pour nous avoir un gouvernement qui sorti dans le consensus, dans la tête qui a un premier ministre définitif, Fosfè Noyo a décidé de mettre des dans la population. Nous condamnons les actes sérieux, et je me suis dit tout à l'heure, les actes terroristes, dans la nuit 29, pour arriver 30 jours, pas prêter un peu. Je passe des GPNH là, qui a présenté Feyo, et de ça qui passait dans la nuit 20 pour arriver 29, pour arriver 30 jours, qui se passait là. Merci. On attendez, et vous qui sur les réseaux sociaux, nous saluons tout le premier ministre qui là, ministre justice, ministre intérieur, ministre défense, sécurité publique, DG police nationale et tout pour la police. Nous saluons le cabinet du premier ministre et de la communication. Nous saluons le commissaire gouvernement qui est avec nous dans le conseil spécial qui fait jeudi à CSPN spécial. Non? Et nous, alors nous toujours aimé parler de COVID, mais nous allons peut-être aborder ça tout à l'heure, 8 minutes. Et nous avons dit que dans la nuit 29 juin, le 30 juin, gagné et ça nous a capable de l'inacceptable qui produit. Et ça veut dire, nous, l'autre jour, dans la dernière conférence de l'FA, des gens ont parlé de ligne rouge. C'est comme si tu as dit bon, l'autre ligne rouge qui franchit le 29 juin. Et ligne rouge, ça, c'était côté, et un groupe, moun, yo ouvert, zam, yo tiré dans tout un quartier. Nous fermons GE, dans le quartier Pelé Delma 32, nous tirons et nous avons tiré à bout portant et c'est ainsi que le lendemain résultat, il y a eu plusieurs cadavres à terre. Et nous tirons, nous avons tiré tout près de la CAILO, deux journalistes. Un relé Diego Charles, l'autre la relé Antoinette Duclair. Et en réalité, nous avons dit deux journalistes qui ont mouru dans le contexte de vraiment nous avons dit Zaklan lui-même, c'est comme ça que nous sommes capables de citer, de qualifier le Zak terroriste, dans le sens que les gens qui font crime ça, c'est une série de gens qui tirent. Pour capable de s'y mettre terreur dans la population, pour nous prendre un mot sur l'état d'État, sur l'emploi d'État, et pour capable de déstabiliser tout système social, là, système sociopolitique, là, c'est sa définition terroriste, là, et tuer, et depuis le A, nous avons gagné en plus de famille qui a crié. Nous avons une famille, Timon Sayo, qui a crié, famille Antoinette Duclair, qui a été tirée. Nous avons une famille, Diego Charles, qui a crié. Nous, la presse a crié, nous suivons toute réaction qui fait dans la société, hein, qui réprouve, qui condamne ça qui fait là. Nous, toute association média, nous suivons toute réaction qui fait. Nous suivons la réaction de tout journaliste, surtout, qui est extrêmement choqué. Et secteur culturel, secteur artiste qui est choqué. Nous suivons tout le net qui est choqué parce que c'est un crime inacceptable, c'est ça nous l'a dit dès le départ. Et au niveau du gouvernement, et tout de suite,
tu as eu une réaction, d'ailleurs, le secrétaire d'État a fait une première réaction, et le Premier ministre a réagi, hein, côté il a publié un communiqué de presse un matin, et là, il a condamné avec véhémence l'action ça, action abominable ça, il y a pas l'expression violence aveugle qui sème le trouble et le deuil dans toutes les couches de la population haïtienne. Et après, tu viens gagner au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, là, son conseil à l'extraordinaire lié, il faut nous rappeler ça. Le Conseil des ministres, en général, il fait chaque deux mercredis. Mais le conseil qui est fait hier, là, mercredi, hier mercredi, hein, son conseil extraordinaire, un conseil spécial qui est fait à midi et qui est convoqué justement sous sujet d'Elma 32. Là. Et dans le conseil, ça, nous avons abordé effectivement la question sanitaire là, dans le pays. Là. Et sous question sanitaire là, dit toujours important, parce qu'il ne faut pas oublier que la question sanitaire là, lui-même, tout c'est une crise, je veux dire, on a dit, qui menaçait le monde entier, il faut toujours rappeler ça, qui menaçait toute la planète là, et qui menaçait nous en Haïti. Côté, je veux dire, on a franchi cap 18 500 cas confirmés, et côté tout, on a quitté cap 400 morts, on a rentré 400, 450, et presque 500 morts en Haïti. Ce qui est extrêmement grave dans une société qui est déjà traumatisée. Donc, en ce sens, hier, le Conseil des ministres fait hier là, il était comme mesure concrète, reconduit l'état d'urgence sanitaire là, pour 15 jours encore, ce qui veut dire que son mesure qui prend pour que la population hein, l'y calme par rapport à une série d'actions que l'habitude prend, actions que l'habitude avait, notamment au niveau loisir, au niveau culture, actions qui fait que mondain, côté nous toutes nous réunis sans masque, et côté nous toutes à fêter comme si de rien n'était. Je dis, hein, ma partie l'attention nous que Martin va arriver là d'ailleurs, m'appelle, le Covid là pour quitter. Hein? Par contre, si c'est troisième, il commence à parler de quatrième vague. Et en Europe, déjà, la situation est annoncée très délicate. Il y a un dernier variant, le Delta, qui a fait des dégâts. Et donc, pas oublier, Haïti fait partie du monde, Haïti fait partie de la planète. Et donc, en ce sens, quel que soit son étape passée en Europe, en Inde, et quel que soit partie sous planète, la faune toujours préparée, nous, il est capable d'arriver à Haïti. Donc, en ce sens, arrêtez qui reconduit. Hein, ils sont arrêtés qui prennent par rapport à la dernière évolution sanitaire, hein, mais sont arrêtés tout qui anticipaient sous évolution possible parce que l'été en Europe, l'été dans le monde, annoncé très difficile. Donc il nous faut prendre des dispositions. Ceci dit, deuxième sujet qui est préoccupé, c'est massacre et attentat terroriste qui fait dans les matins de hein, sujet ça est très clair pour la population qu'on est qui s'allie, c'est un attentat terroriste. Et donc, le Premier ministre, il a fait une deuxième note, côté, il dit que le premier élément d'enquête, diligenté par la police nationale, révélé que c'est un attentat terroriste qui est perpétré par l'organisation Fantôme 509. Donc, nous avons défini pour nous saluer un attentat terroriste. Un attentat terroriste, c'est un attentat côté pour un ensemble d'actes violents et illégaux qui commettent pour provoquer un climat de terreur non-population. C'est comme ça le définit. Il y a un paquet de conventions internationales qui définit ça un attentat terroristier, ça un acte terroristier et qui traite même une question de financement terroriste. Moun qui derrière bagaille ça et quel que soit côté sous la planète. Donc, matin, nous avons dit, puisque nous avons mobilisé depuis hier le Premier ministre, le Conseil des ministres, et donc maintenant, il y a un CSPL, le DG de la police nationale qui a fait une intervention hier, où il était très clair, non pas dit ça le dit, mais on croit que je dis là, peut-être il y a des éléments dans ça que la couronne, mais peut-être tout que la avancée un peu plus pour aider la population à comprendre ce qui passe dans Delma 32. Et quel que soit le conviril, moi-même, moi toujours retourné à valeur, nous, valeur morale, nous, que la paix du jeudi. Hein. Valeur, conscience, et il y a un philosophe qui le dit droit pour finir, et avant de passer PM, il y a un côté de parler de la conscience, ça veut dire monde qui prend un ZAM, ça, qui exécute tête journaliste, qui exécute population un jour soir, monde ça quelque soit côté de la lit, il y a un bagage qui suivre, qui est la conscience.
Merci. Donc, en ceci. Mais comment après 24 heures de temps, l'action qui est passée, nous devons qualifier des attentats terroristes? Mais je suis en train. Bonjour à nous tous, nous ne sommes pas habitués aux ministres de défense, nous ne sommes pas habitués à parler en public, c'est parce que là, nous-mêmes, notre travail, c'est plutôt dans discrétion que nous travaillons. Mais je dis à nous comprendre l'émotion pour les ministres là, et nous allons répondre à la question qu'on posait sur. Mais pour quelle raison, qui s'est expliqué que après moins de 24 heures, nous devons connaître qui est-ce qui pourrait être tué en masse qui fait Delma 32. Son définition, l'on tué en masse comme ça, nous connaissons que c'est qualifié son bagarre terroriste, puisqu'il y avait le frapper, le temps pour le frapper communauté, pour le frapper société, pour le faire un peuple, pour le capable de gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour qui ça fait nous connaître? Parce que justement, nous, éléments d'enquête qui fait que rapidement auprès de monde qui est victime, de famille, de monde qui était dans la zone côté là, parcours que nous faisons, permettent nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe qui derrière attentat ça, qui fait donc, qui groupe qui derrière action massive ça. Et je crois que le directeur général de la police a sorti, il est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des mouns, ça veut dire des êtres humains, capables aussi brutal, violents, pour tuer des mouns paisibles, sans armes, sans rien, froidement, lâchement, autant de mouns comme ça. Et nous, on est qui est habitué à faire ça. Nous comprenons, nous-mêmes, nous avons un agenda politique, nous-mêmes, agenda par nous, c'est travail pour la population, ça service, qu'il méritait, qu'il a besoin. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère justice, primature, ministère défense, tout le monde, tout ministère culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ce qui passe. Et c'est ça qui permet que aujourd'hui, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaissons qui est derrière, qui groupe, qui est derrière l'action, que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. Merci beaucoup. Et donc, faisons un jour pour la réponse. Moi, nous sommes une gamme en pile, de passion, c'est lui. Et mon livre m'a appelé sous communication. Donc voilà, il est constant lié à métier ou à exercer là dans les médias, dans la presse. Il y a une définition, livre ça, qu'il y a, médias à communication, quoi c'est histoire de communication, il est auteur lié. Il dit que communication, c'est mon nom qui remet fait action d'éclat. C'est comme ça qu'on définit un terroriste. C'est un groupe de monde qui remet fait action d'éclat. Ça veut dire action fait à fond, clash, paf, pour tout le monde. C'est le premier bagage. Il y a des théoristes là, son lecteur qui remet communication, qui remet médias. Et le livre, ça, c'est un livre qui apprend le phénomène 11 septembre, qui est fait dans le monde que nous connaissons aux États-Unis, hein, 2001. Côté, ou après, il montre comment les qui fait ça, son lecteur qui remet la presse par les deux. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, le livre, ça, c'est un livre extrêmement moral, sous moral, bien dans la presse. Il dit, le métier de la presse aujourd'hui a nous pris en otage. L'autre jour, on a regardé deux actions violentes, deux âmes, et tous les médias couvrent en direct. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gang, de bandits capturés ou elle en direct. Et nous ne rendons pas compte, sans nous rendre compte vraiment, la presse a une responsabilité de jouer, sans nous rendre compte que. Les terroristes en général, et quel que soit ce côté sur la planète là, ils remettent la communication, ils remettent la presse. Je vais prendre un exemple en Haïti. Mais sur Sam Kadio, la différence est qu'il y a un terroriste universel et un terroriste pas nous. Dans tout pays, le contact violent qu'on s'est fait, il y a une caractéristique du terroriste là, l'identifier, lui disait l'ICFER. Par contre, si nous sommes juste ça, tout pays, mais en Haïti, terroriste pas nous lâche.
yo tué, yo glissé quoi yo, nan fait noir. Et puis yo comprenne personne pa wè yo. Et pourtant sou tout à l'heure, premier bagay ki wò on va régler conscience, ça c'est Diderot, un philosophe français. Et puis la police a suivi. Côté gen pile groupe qui montrait que c'est la violence yo quoi qui voulait pratiquer intolérance et qui voulait faire population en peur. Donc depuis la situation ça a commencé à développer, tout le gouvernement mobilisé pour porter réponse qui nécessaire à différents niveaux. Le dernier acte de violence qui fait yo, toute population a tout gouvernement estimé, c'est 3 partons. Donc dans ce sens-là, la police déjà ouvre une enquête qui a avancé. Le gouvernement a toute composante mobilisé pour qu'elle prenne toute disposition pour freiner sa population en relève la mort. Donc dans ce sens-là, le CSPN qui fait sauter réalisé on le fois. Puisque je me dédie la dernière fois, ici, là, dans la primature, là, c'est la permanence en matière de sécurité pour que toute autorité continue à avancer dans le sens de jouer une solution à ça. Dans le premier temps, nous avons un ministre de Culture et Communication, le ministre Adel Henriques, qui va faire toujours rappel à la mise en contexte qui est nécessaire par rapport à ça bien là comme situation. Nous avons un chef gouvernement, Dr. Claude Joseph, Premier ministre AIA qui a placé le mot par le tout dans le contexte nous aujourd'hui a, et n'a pas gagné directeur général de la police là, commandant Léon Charles, qui va rassurer la population que la police n'a pas fait bac. D'ailleurs, un élément nouveau qui commence à venir dans le cadre d'enquête qui a mené, hein, puisque la police était déjà gagné des données déjà sur des acteurs qui avaient agi. Donc c'est pour montrer nous, c'est toute équipe gouvernementale là qui mobilisait, d'ailleurs sous instruction ferme président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, pour que le problème ça y adresser, il y a une solution qui vient. Ministre Pradel.